place, place à la santé. Bonjour, les éclairages LED ont l'avantage de moins consommer que les ampoules à filaments, mais on sait aussi que si on ne les choisit pas bien, eh bien elles peuvent avoir un impact sur nos yeux et notamment notre rétine. Comment faire pour bien choisir ces LED? Les conseils d'Alicia Toriglia et les directeurs de recherche à l'INSERM. En fait, il y a plusieurs choses à faire. C'est choisir des LED de température de couleur faible, dans les 2700-3000 Kelvin, pas plus. Ensuite, choisir, si vous achetez un luminaire, surtout qu'on ne voit pas les diodes, qu'ils aient une diffuseur par-dessus, pour ne pas avoir l'image du LED. Et puis, essayer, en tous les cas, de ne pas le disposer de telle façon qu'on ait l'occasion de les regarder directement. Pour retrouver l'ensemble de nos chroniques sur les éclairages LED en compagnie d'Alicia Toriglia, chercheuse à l'INSERM, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Place à la Santé. À bientôt.